Merci. Regarde ça, c'est à vous, prends-le. Oh. À nous? Mais tu en es bien sûr? Bien, je crois que Lila s'est encore échappée de son enclos. Elle a une habitude de faire ça. J'ai trouvé cet œuf le long du chemin. Lila est très curieuse, on n'arrive pas à la tenir. Dès qu'on a le dos tourné, elle s'embarque dans des aventures. Je crois que tu ferais mieux de la surveiller. Mochine, veux-tu manger avec nous ou tu dois rentrer chez toi? Merci pour l'invitation, mais je dois rentrer chez mon vieux. Je comprends. Je vous vois plus tard. D'accord. Mochine est un garçon si gentil. Oui, Mowgli, je l'ai trouvé. Regarde cette beauté. Je savais que c'était là-dessous. Laisse-moi le mettre avec les autres. Bien sûr, ce pauvre bébé était bien seul. Retourne avec les tiens et pas de soucis. Papa vous comptera tous ce soir. Lila! Te voilà enfin. Ne t'éloigne plus de notre enclos. Nous étions si inquiets. Tu as bien compris? Oui, tu dois avoir très faim, n'est-ce pas? Oh, on n'a déjà plus rien à manger. Attends-moi ici. Nili, où est Lila? Je ne sais pas, elle était là à l'instant. Oh non, est-ce que tu crois qu'elle s'est encore enfuie? Oh là là, le soleil est déjà haut dans le ciel. Je vais arriver en retard en ville. Ma chère femme, où es-tu? Pac, ma chérie, je suis là. Tu t'es enfin réveillée? Bien sûr. Mais qui peut dormir avec une telle chaleur? On se croirait dans le désert. C'est mieux comme ça. Ne dois-tu pas aller en ville faire des bonnes affaires? Quoi? Bien sûr, comme d'habitude. J'y vais. Et chérie, je veux que tu reviennes avec une montagne d'or. Oh, mais pas de soucis, mon amour. Ma petite chérie sait que ce bon vieux Pâques a toujours son nez pour les bonnes affaires. Je ne te décevrai pas. Bonne chance, mon bien-aimé. Nili, où penses-tu que se trouve Lila? Je n'en ai aucune idée, Adi. Oh, mais c'est son gloussement. Tu as raison. Hein? Qu'est-ce que tu fais sur ma propriété, sale bête? Retourne d'où tu viens ou tu vas souffrir. Je ne te laisserai pas faire le pique-assiette sur ma ferme. Pâque, mon doux prince, tu sais qu'une poule égale des œufs, tu devrais l'attraper. T'as peut-être raison. Il y a des œufs quelque part. Mais je n'en vois pas. Continue à chercher. Attends, mais oui, en voilà une. Oh, Nili. Cette poule pourrait être une super façon de faire de l'argent, j'en suis sûr. Complètement. Une belle poule rien que pour nous. Alors écoute, je dois aller en ville pour acheter un coq. Et très vite, on pourra commencer la reproduction. Et après la vente des œufs à toute la région. On sera encore plus riche. Je suis génial, ma belle Mowgli. C'est notre jour de chance. On sera encore plus riche que l'on est maintenant. Oh, mon petit bouchon, tu es un vrai génie. Je n'y aurais jamais pensé. C'est pour ça que tu prends toutes les décisions. Adi, attends-moi ici. Nili, comment oses-tu pénétrer sur ma propriété? Je m'excuse, monsieur, mais... mais cet œuf est à nous. Quoi? Tu entends cette petite? Écoute-moi bien, cet œuf vient d'être pondu par notre poule sur notre propriété. Quoi? Personne ne vous a jamais appris que mentir ce n'est pas beau? Il y a des conséquences. Excusez-moi, monsieur, désolé de m'être introduit chez vous, mais cette poule s'est échappée de l'enclos de Nelly. Qu'est-ce que tu dis, salane bâtée?
J'ai trouvé cette poule sur ma propriété et selon la loi, elle m'appartient maintenant. Vous comprenez? C'est ma poule. Oh, c'est terrible! Mais c'est notre poule! Ça reste à voir! Et maintenant, quittez ma propriété avant que j'appelle la police! Pac, tu sais très bien que c'est une injustice et tu ne t'en sortiras pas comme ça! Quoi? Comment oses-tu me parler comme ça? Partez d'ici tout de suite! Tu paieras pour ça! Et déguerpis! Ne me fais plus perdre mon temps! Pac, mon sucre d'orge, n'oublie pas le coq! Oh, ne t'inquiète pas! Ce vent! Mon Dieu! J'ai de la poussière partout sur ma nouvelle tunique! Un homme de mon importance ne peut pas être vu sali comme ça! Il faudra que j'attende que le vent se calme! Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Viens, petit poisson. Ah, j'en ai attrapé un. Super. Hey, vous là-bas, qu'est-ce que vous croyez faire, là? Pac, n'est-ce pas évident? On est en train de pêcher, quoi? Ce ruisseau est sur ma propriété. Alors tous les poissons qui en sortent sont à moi. Oh, espèce de vieil arrogant. Partez d'ici tout de suite. Oh, Adi, ne pleure pas. Quel culot! Hé, hey, Moshin! Arrêtons-nous là un moment. Je veux prendre un bain. Avec cette chaleur, je sue comme un cochon. Une bonne baignade ne peut que me faire du bien. Et mes affaires devraient être en sûreté ici. Nelly, qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore triste à cause du poisson? Non, c'est ce sale type. Nelly, comment est-ce qu'on va pouvoir survivre sans notre chère petite Lila? Je ne sais pas, dit. Nelly! Une petite tornade! Ne bouge pas d'un pouce! Il se passe quelque chose! Hé, hey, il y a ma tunique qui s'envole! Voilà mes habits, on me les vole! Revenez! Où allez-vous? Oh. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hé, hey, regarde là-bas! À qui est-ce que ça peut bien être? Mais je ne suis pas sûre! Cette poule est sur ma propriété et selon la loi, elle m'appartient! Oh. Je sais qui c'est! Oui, et j'ai une idée! Comment ça me va? Je vais devoir manger plus de poissons pour entrer là-dedans! Adi, Lily, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites avec ces vêtements? Chut! Moshin, écoute, alerte tous les gens du village et amène-les ici! D'accord, j'y vais tout de suite! Quelle vraiment une belle randonnée. Hein? Mais j'imagine des choses. Ce sont mes habits, voleurs. Mais rendez-les-moi donc. Oh, Pac, qu'y a-t-il? Tu es un voleur. Tu as volé ma nouvelle tunique que je mettais pour aller en ville. Je l'ai volée? Tu te trompes, Pac. J'ai trouvé cette tunique sur ma propriété, près de la rivière. Elle a flotté jusqu'à moi. Quoi? Tu l'as trouvé? Regardez-le, il est ridicule. Très bien, allons-y. Regardez, aujourd'hui c'est vraiment mon jour de chance. J'ai trouvé un âne. Non, descendez-la tout de suite. Cet âne est à moi. Branche-moi, Pac. Selon ta loi, celui qui trouve quelque chose en devient le propriétaire. C'est bien ce que tu as dit ce matin. C'est ce que nous comprenons tous maintenant. Si c'est vrai, alors la loi est la même pour tout le monde, n'est-ce pas? Bien sûr, même pour les riches comme Pac. Mais c'est pas juste.
bon. Au revoir. Mushin, c'est parti. J'ai une terrible envie de me balader avec mon nouvel âne. Allez, allons par là. Allons-y. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas. Cette âne est à moi. Ne partez pas. Pâques, qu'est-ce qu'il se passe? Pauvre de moi, ils m'ont volé tout ce que j'avais, même mon âne. Mais qu'est-ce que je vais faire, Mowgli? Ils t'ont volé? Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Ah, n'aimerez-vous pas une petite baignade? Arrêtez, ouais, arrêtez, au voleur. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah, vous ne pouvez pas prendre toutes mes affaires, c'est contre la loi. D'où vous vient l'idée que vous pouvez garder mes affaires tu comme ça? Tu es un voleur. Moi? Et pourquoi? J'ai trouvé toutes ces choses, alors selon la loi, elles m'appartiennent. Ou la loi marche-t-elle uniquement pour toi? Elle a raison. Si la loi marche pour Pic, alors c'est pareil pour tout le monde. Mais c'est pas juste. Ils ont raison. Mais je ne comprends pas. De quelle loi parlez-vous? Vous ne pouvez pas simplement inventer une nouvelle loi. Ah non? Tu ne comprends toujours pas? Tu savais que la poule que tu as trouvée ne t'appartenait pas, mais tu l'as prise quand même. Et tu m'as dit qu'elle était à toi, selon la loi. J'ai fait la même chose, avec ta tunique et ton âne. Qu'en penses-tu, espèce de sale pingre? Mais ces tuniques sont chères! Pourquoi est-ce que vous avez jeté mes tuniques dans la rivière? Mais il faut que j'aille les chercher, je peux pas les laisser s'en aller! Fais quelque chose! Sois un homme, plonge dans la rivière et récupère-les! Mowgli, aide-moi! Je m'en charge! Tu dois y aller, tu dois y aller avec moi!